Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode sur The Last of Us Part 2. On va suivre la route 5 qui devrait nous mener à Nora. Donc on va essayer d'aller soutirer des infos. Donc c'est parti, on vient juste de ressortir du théâtre. On est parti. On est parti, on est parti. C'est quoi un ancien poste de garde ça? Ok. Genre là-bas t'avais rien? C'est terrible hein, cette envie de fouiller perpétuelle. Non, il n'y avait rien. Allez, on se casse. On se casse, on continue. Route 5, hôpital, nous voici, nous voilà. Mais Dina, ouais, elle s'inquiète vachement pour Ellie là. Parce qu'elle a peur qu'elle se fasse tuer tout simplement. Ce Faut qui que est je logique. passe. Qui est logique. Ah oui, c'est vrai qu'en termes de stuff, on n'est plus très bien, puisqu'on s'est pas visé. Hein? Putain, ouais, je vise tellement mal, c'est un truc de fou. Une bouteille de coca. Pour faire un silencieux. J'ai même pas assez de façon pour faire un silencieux. On peut ressortir déjà, ok. C'est du tissu, mon ami. Bon, bah, vas-y, on trace. Cool, je me rapproche. Faire peut-être attention à ce que qu'il n'y ait pas de piège comme on a eu la dernière fois là. C'est pareil l'arc. J'ai plus de flèches, je peux pas en crafter là? Ah putain ouais. Ouais. Ah, c'est un claqueur! Je crois que c'était un mannequin. Pas tout seul. Putain, m'ont fait peur ces corbeaux là. Chut, fais pas de bruit. Ah, bah, comme par hasard, c'est de l'autre côté. On va voir, il n'y a que deux claqueurs, je vois pas de rôdeur, de coureur. Bon, à part péter un carreau, je peux pas faire grand chose là. Quoi? Comment ça? Comment tu m'as vu? Mais non, mais j'ai tapé, putain, arrête. Je tape quoi, arrête. Je tape, elle met pas de coups quoi. Oh la loose. Putain, j'ai vraiment pas de bol moi, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bah du coup, je sais pas, je vais leur mettre une balle hein. Ah, ça dégage. Ah,
sur lui. Voilà la liste des déserteurs. Bon, on a utilisé un peu de balles, hein, comme ça. Cul, t'es morue. Bon, je pense que je pouvais pas faire mieux pour les buter. Hein. Je pouvais pas être plus discret. Je pense pas. Je ne pense pas. Mais ouais, j'aurais pu les regrouper à Molotov, tu vois. Mais bon, on savait pas ce qu'on allait retrouver à l'intérieur. Ouais. J'espère que j'ai alerté personne par contre. Parce qu'on a quand même tiré beaucoup de fois. Alors, est-ce qu'on améliore. Qu'est-ce qu'on améliore? Mode écoute portée augmente la 1. Et ouais, nous on veut ça là, la stabilité de l'arme. Donc on va essayer de le faire complet en premier. Discrétion, mon ami, discrétion. Ce qui est bien sûr mon fort, bien sûr. On va reprendre le flingue en silencieux. Pourquoi on nous demande de faire. Bon, si tu veux. Si tu veux, je peux ouvrir la porte. Hein. Ouais, j'avais pas trop pigé le truc avec le claqueur là. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas pu le shooter une deuxième fois là. Surtout que j'ai un pied de biche ou je sais plus quoi, j'aurais pu m'acharner dessus. Eh ben non, ça voulait pas. Bon, je crois qu'on peut s'en aller. Je pense qu'on peut y aller. Bon. Ça n'empêche le sang et tout, c'est super bien fait. Donc ça, c'était fouillé. Ça, c'est fait, ce bâtiment-là. On va aller là tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, des flèches. Oui. Oui, des flèches. Parce que je t'avoue que là, je me sens un peu... Mais je veux juste changer d'arme. Je me sens un peu nu, quoi, tu vois. On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose, ça va encore, en vrai. Son amour est partout. Non, mais sérieux. Ouais. Vieux délire quoi. Je vais y aller après, on va aller voir si là-bas il n'y a pas autre chose. Bon, quoique non. Non, 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 on va y aller tout de suite. Chaque fois je veux pas tout faire en même temps, j'ai peur de louper des choses. J'ai pas vu ça. Excellent. Ça c'est les scars là, en fait ils pendent, j'ai l'impression qu'ils pendent tout le monde quoi. Ah, je peux aller là déjà. Ça devait être trop chiant à faire ça comme animation par contre. C'est pour faire quoi? Pour aller où? Oh merde! Il y a des trucs cool là-dedans. On est d'accord? Je peux pas péter ça? On va le laisser là.
À part le matelas. Attends, elle est où la corde là? Ok. Comment je fais pour aller là-haut, moi? Alors, j'ai bien une idée. Voilà, et je pète ça, là. Oh, l'intelligence! Je peux monter. Ah, cool! Excellent! Attention, les débris de verre, hein, Ellie. Aïe les doigts, aïe les doigts, aïe, aïe, ça pique. Alors peut-être qu'il y avait une autre solution, mais. Qu'est-ce que ça donne? Ça, moi, ça a marché comme ça, donc c'est bon. Ah, une carte. Qu'est-ce qu'on a encore trouvé? J'espère que tu liras jamais cette lettre. Ah, ça fait bien que j'ai parti, je suis sorti. Je suis vite rentré, malgré ce que je dois fuir à rester, je me sens paralysé. Je suis désolé de tomber malade, d'aller à l'hôpital, chose. Ok, Paige. Grenade incapacitante, j'aime bien en vrai. Ça peut être super utile en vrai, de vrai, de vrai. Je peux en refaire une, non? On va refaire des flèches, il nous faut des flèches, il nous faut des flèches. Faut qu'on soit furtif, un minimum, même si on galère. Le pompe, je peux le recharger, j'ai encore une bastos, voilà. Quoi? Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas ça. On va mettre ça. Et puis let's go, hein, je pense, non? Moi qui ai encore quelque chose à faire, je pense pas. Non, moi je pense qu'on peut y aller, les copains. Et c'est parti pour le show. Bon, bah allez, on continue, hein. Je crois que c'était encore une lettre. Encore une lettre. Mais non, ça va. Je sais pas à quoi m'attendre là, je sais pas. Sûrement des wolves, hein, mais. Il y avait un chien là, non? Qu'est-ce qui vient de passer là? J'ai cru voir un chien. Je vois des chiens. On va faire le tour avant. Oh. On peut passer là déjà. À mon avis, c'est mes fers. Voilà. Ça veut pas. On va aller voir là après. Là, c'est Keblo, sûrement. Merde. Ah, bon. Faut que j'entre là-dedans. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Y'a de quoi craft quoi? Ouais. J'ai le grade qui aille. C'est bon, ça va mieux. Oh oh.
Ça, on connaît les pièges comme ça. Hein. Des pièges sonores. Des flèches, on en a 4. En tout, on peut en faire que 6 de flèches. C'est pas beaucoup en vrai. C'est pas beaucoup. C'est derrière, ouais. Là, par contre, je sais pas comment je vais faire. Il doit y avoir un établi pas loin. Bordel, il y a des provisions partout dans cette ville. Ouais, on va pas s'en plaindre. C'est pas normal qu'on te donne autant de trucs là. C'est pas normal. Ça, ça utilise pas de lame, non? Ok. Mais ça, du coup, on peut plus les jeter. Hein. Ah, c'est seulement que c'est. Tu peux juste les poser maintenant, les bombes en fait. C'est juste ça. Ah, bah, il a l'établi. Ah, est-ce qu'on a récupéré. Ouais, on a récupéré. Alors, l'arc. Amélioration de l'arc. Quoi? Le bâtard! Putain, vous avez pas le droit de faire ça, Naughty Dog! Aïe! Mais meurs! Bâtard, je le savais qu'elle arrive. Ah mais elle est pas morte! L'autre derrière, elle est pas morte! Viens la petite conne. Putain mais ça c'est pas bien un Naughty Dog de faire des trucs comme ça. Voilà, hop, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Et le pire, c'est que la dernière fois, dans une station essence là, j'avais eu le tour. Hein. Putain, c'est quoi ce bordel? J'avais eu le tour, ils sont arrivés. Je voulais faire craft et ils sont arrivés comme ça. Mais là, clairement, direct là, comme ça, venir sur l'établi, c'est pas bien parce que normalement, tu crois toujours que c'est un moment de répit. C'est des enfoirés! C'est des enfoirés! Ils ont bien joué le truc. Hein. Ah bah du coup ça va, j'ai pas utilisé mon... Comment s'appelle mon silencieux, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Là 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 là. 50% de vitesse d'encochage, 60% de bandage, ouais, donc ça peut être très bien. Ajoute un télémètre pour afficher automatiquement la distance des ennemis sur le réticule. Non, 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 ça j'ai pas besoin pour l'instant. Remplacer la poignée de l'arc pour améliorer sa stabilité. Vaut mieux ça, je pense, au début. Je pense. Putain, mais c'est des enfoirés. C'est bien joué, c'est bien joué. Parce que tu crois toujours qu'à ce moment-là, c'est un moment de répit. En fait, non, non, pas du tout. Même là, faut faire attention, quoi. Ah, bien joué, j'avoue, bien joué, bien joué. C'est bien joué. Donc là on n'avait pas fouillé. Bon du coup les collègues de ces messieurs dames ils vont être dehors. Sûr et certain. Faut que je sois plus vigilante. Ah pourtant on l'était hein Ellie. On va passer là. On l'était. Où est-ce que je peux. Voilà. Ok.
Bande de petits fourbes. T'as encore une note, hein, c'est ouf. C'est ouf. J'ai préparé nos bagages, mais la forêt commence à nous faire monter dans le bus. Lalalala. Ok, Hélène. Elle s'appelle Hélène. Ouais, il faut que j'étends. Parce que ça, en vrai, c'est vachement utile. Tu vois, vas-y, on va le faire, on va le faire. En vrai, c'est vachement utile le marteau. Enfin, améliorer, je veux dire. C'est super utile. Oh, j'ai cassé la télé. Mince. Mince alors. Qu'on peut aller là. Pourquoi? Il y a notre chemin, je l'ai pas vu. Là-bas, si bien j'ai tout fait, j'ai tout ramassé. Là, on n'y a pas été ici. Ah, manuel d'entraînement, non? C'est peut-être intéressant. Yes. Putain, j'ai bien fait d'y aller, j'ai failli louper un manuel. Ça c'est quoi? Je laisse ça à côté de nous finalement. Le plan d'aller vers le sud, voir sûrement son reste, peut-être des conneries, mais je pense. Pendant le risque de continuer à subir le fanatisme d'Isaac. Vous m'avez prise pour une wolf. Peut-être Isaac, c'est celui qui a créé le. L'escar ou quoi? Non, je sais pas. Peut-être je comprends mal, je sais pas, je sais pas. Oh! Oh! Bah dis donc! Ah, effectivement, il y a du stuff, hein, mon pote! Il y a du stuff! Là, en plus, on a encore 12 balles dans le revolver. Ça va. Ça va, ça va. Bon, bah, allez, on trace. Je peux pas monter. Là-bas, j'y étais. On redescend. Let's go! Ah ouais, je viens de là, moi. Ouais, bah écoute. Faut que j'arrive à aller là-bas. Ah, mais en fait, j'aurais pu passer là aussi. Ok. On va passer là. Ok! Puis là, il n'y a pas de poubelle, rien. Mais il faut passer là. Ah, ben, elle est là, la poubelle. Claqueur. Sûr et certain, ça va nous arriver sur la gueule, là. Attention, pente glissante. D'accord. Ouais, c'est peut-être mieux. Je sens qu'il y a un claqueur ou quoi qui va arriver, c'est sûr. Ah, ok, d'accord. Attention, porte glissante. Attention. Si vous voyez tout, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Attention, porte glissante. Eh oui. C'était plutôt futé, Ellie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'était plutôt futé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était bien joué, quoi. Ok.
vais ouvrir les portes. Les portes, bien sûr, les portes, histoire d'être tranquille. Je sais pas par où je passe en vrai. On va essayer de retrouver l'autre connasse de Nora là. On peut pas, donc ouais, c'est là-bas. Ok. Waouh. Voilà l'hôpital. Merde. Il est plus loin que je pensais. Effectivement. Personne là. J'ai pas confiance. J'ai pas du tout confiance. Yeah! J'ai bien aimé le petit rebond là quand elle s'est retenue sur le. Sur le. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce jeu? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'adore ce jeu! Même sensation que le premier, mais en mieux, t'imagines. T'imagines un petit peu. Oh, ça pue là-dedans. Ah, il va pas avoir un puant au moins. Ah bah voilà l'explication. Il va se relever celui-là. Non? Putain de Wolf, tu l'as bien cherché. Je le savais, je le savais, je le savais. C'est un des claqueurs vivaces là qu'on avait eu comme avec l'arc. Quand on a récupéré l'arc sur le cadavre là. Je le sentais qu'il allait en avoir un, c'était sûr. Arrêtez de me faire peur comme ça, arrêtez hein. Où est-ce que tu t'es barré? Non, super. Comment elle a pu partir sur la droite et ne plus être là? Hein? Ah, il passait là, ok. Ah oui, c'est vrai que maintenant il grimpe partout. Hein. Ah donc là du coup c'est les rôdeurs ceux-là maintenant. Ils sont pas encore claqueurs là. Putain ils sont trop stylés, c'est trop bizarre comment ils marchent et tout comme un gollum là. Ils font pas de bruit ce connard. Ah non ils font pas de bruit, mais je pense qu'il y en a un juste à ma droite.
pas retourner dehors, Ellie. On va les défoncer. Putain, je voulais jeter un molotov, n'empêche, quand je les ai vus tous ceux devant moi là. Je vous entends. Putain, c'est trop stylé les lumières là. Pouah. Là, je l'entends, ah, il est là. J'aurais dû faire ça pour économiser mon marteau. Score 1, je crois. Arrêtez, arrêtez, m'embêtez pas. Je les entends hein, là-bas, mais... Là, on y a été. Là, non. Je les entends, hein, c'est ça qui est horrible. Une petite bouteille. T'es où? Voilà, ça dégage. Ok. Bon, j'ai niqué le marteau du coup, c'est dommage. Faudrait qu'on retrouve un objet qui nous permet de les défoncer, quoi. Bon, il doit encore en avoir. J'aime bien la respiration de Ellie. C'est qu'elle ça monte selon les ce qui se passe, quoi, tout simplement. C'est stylé aussi ça. Ouais ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah merde, j'ai pas réussi à passer. J'avais pas réussi à passer, très bien. Casse-toi. Encore deux là. Coucou. Coucou. Ils sont en deux là ou pas? Non. Comment ils se déplacent?
Putain, elle m'a fait peur. J'ai pas vu qu'il était juste là. Trace, 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 j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Faut que je trace. Ah, casse-toi. Faut une bouteille, y'a pas une bouteille là? Tant pis. Tu fais chier, hein? Petit con. Petit con. Ça a changé, Seattle. Ah ouais, ça a changé. Ouais. Quand même, il y a encore du chemin. Vache. Je peux y aller là, non? Non, ok. Je croyais que je pouvais m'accrocher. Oh, ça va, ça va. Mais sérieux, je peux pas y aller là? Je peux pas m'accrocher, je vois qu'il y a la fenêtre. Ah bah non, je viens de là, mais je suis trop con moi. Oh là 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 là. Ok. Ok, ok. Attends, on va pas y aller tout de suite, la tête, on peut monter. Ah, j'ai pas fait attention en fait. Ah là là, l'erreur du joueur français. La terrible erreur, la terrible désillusion. Bon, au moins, je vous ai montré une nouvelle mort de Ellie, elle peut tomber. Ouais. Rejoigne la rue. Ok, ok, ok. Il y en a un là-bas. Je sais pas si je passe là ou là direct. Ça revient même. Putain, mais quand je fais des esquives, j'aimerais que t'esquives Ellie en fait quoi. Va. Va. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Ok, ça se dégage. Je sais pas, des fois, je sais pas comment expliquer. Bien, je suis pas dans le bon tempo en fait. Faut que je me bouge. Quand je veux faire mon esquive, je dois juste pas être dans le bon tempo, parce que je sais pas, c'est bizarre. Vas-y, on va se soigner. Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Ouais, on en a. Quoi, qu'est-ce qui fait du bruit là? Ça, c'est pas oppressant du tout de passer à chaque fois dans des endroits étroits comme ça. Waouh, on a 5 balles. On va bien les garder. Ah, je viens de là donc c'est bon, y'a plus rien. Oh, y'en a beaucoup trop là, arrête! Lâche-moi, putain!
va s'accrocher là. Attends, où est-ce qu'on est là? Bon, on va pas arriver à l'hôpital en dessous là. Je déteste Seattle. Ouais, pareil, je suis pas fan là. Ok. Où est-ce que j'ai atterri? J'allais le dire. Je suis où? La santé est pleine, très bien. Ça pue là. Ok. Vous êtes ici et l'hôpital est là. Je vais traverser le parc. Oh, attendez. Les bois là, tout ça là, ça vous rappelle rien? On va rencontrer les Scars, je crois bien. Je crois bien. Je crois bien, bien, bien. Ils sont où? J'ai entendu siffler, mais... Vous êtes où? Putain de sa mère, mais putain! Le bon que j'ai fait, putain! R1 et L1 pour enlever, c'est quoi? R1, ok. C'est qui, putain? C'est nique ta mère à siffler là. Wow, comment j'aime pas ça. Arrête, arrête. Ils sont combien? Ils sont combien, s'il te plaît? Ça te met à peine la pression, c'est incroyable. Cassez-vous. Ah ouais! Donc il parlait que ça mettait la pression. Ouais, ouais, effectivement. Non, 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 non. Change pas, celle que j'ai, elle est mieux. Je voudrais récupérer des flèches pour le coup.
que je peux même pas en craft. Attends, ils sont où les corps? Putain, y'en a encore un là. Ok. Sûrement des scars. Peu importe. L'hôpital. Attends, non, le silencieux, j'ai corps. J'espère que vous avez pas 3 balles de silencieux, ok. Là, c'est spécial, hein. Quand il siffle comme ça. On va te faire pause de trucs. Mais la flèche que je me suis prise, j'ai eu trop peur. Ah, je suis pas bien. Ça va pas te faire ça, non. En vrai, je pense que je peux me lever depuis une demi-heure, hein, mais on va rester comme ça. Hein. T'es pas confiante. Ok, voilà la route qui mène à l'hôpital. T'as l'ambiance, tu sens qu'il va arriver quelque chose. C'est horrible. C'est la même, hein. C'est mes fers, frère. Par où je passe? Par le toit là. Je peux pas y aller. Si je monte sur la poubelle, non. Je peux pas monter sur la poubelle. Ah. Ah. Par où je peux passer alors? Je dois passer le portail du poste contrôle. Ah mais comment tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je fasse? Attends, là c'est ouvert mais... Attends, on va retourner là-bas. Parce que j'ai pas été voir pour le coup. Ah bah c'est normal, il y avait rien. Hop là. Ouais! Bon, désolé, hein. Enfin, désolé, non. Je suis à fond dedans, je parle pas beaucoup, mais. C'est hyper prenant. C'est trop bien. L'épisode va être long, du coup. Je sais pas. Il va sûrement être long. Encore, hein. C'est vrai que j'utilise pas mon snipe, mais en même temps le snipe, faut que je sois loin, quoi. Enfin, c'est la logique serait ça, quoi. Ou alors faudrait que je vire la lunette. D'ailleurs, est-ce que je peux virer la lunette de mon snipe? Parce que si c'est ça, ah mais non, quand je vise, je peux viser que comme ça. Mais ouais. Ah ouais, je réfléchis pas, ouais. Ouais, parce que pour moi, si je visais, j'avais automatiquement ma lunette, donc là, je voulais pas viser, quoi. Enfin, je voulais pas l'utiliser, plutôt. Super. Le mec, il réfléchit pas, quoi. Tu m'étonnes, je suis toujours blindé en bastos de snipe. Encore une. Je
me demande combien y a de cartes à collectionner, n'empêche. En avoir à l'appel. Parce que là, j'en ai combien là? J'en ai pas tant que ça en vrai. Je crois que j'en ai plus. Enfin, je sais pas. J'en ai pas mal quoi. J'en ai pas mal. Ouais, je récupère. Ouais. Mon chat qui fait miaou. C'est mignon. Non, regardez le silencieux, t'es fou quoi. T'es fou quoi. Peut descendre, mais on peut surtout grimper. Ouais. Bon, là, ça va être fermé. Ah non. Ah, j'ai rien dit. Mais là, ça va être fermé. Ah. Mince alors, c'est fermé. Oh, étui pour le flingue? Yes. Je crois bien que c'est ça. À fond. À fond que j'en avais besoin. À fond. Ma femme Paige m'attend. Ah oui, bah Paige. Merde. Merde, ça craint. Désolé. J'en aurais plus besoin que toi. Ça c'est sûr. Hop là! Bon, qu'est-ce qu'on peut craft? Des flèches, on fait. Que 3 flèches, hein, c'est pas. Alors, confection des flèches explosives. Là. Ah! On parle bien. Là, on parle bien, là, on discute bien. Piège explosif amélioré. Confectionner des pièges explosifs plus mortels couvrant une surface plus étendue. Donc, c'est mieux. Pour les molotovs, c'est mieux. Ah, c'est dommage, j'ai pas. Ok. Donc est-ce qu'on fait des flèches explosives ou alors on fait la respiration bloquée? Là c'est pour améliorer la santé. La confection rapide. Bon, les confections je m'en fous hein, en vrai, je le fais toujours avant donc. Ça par contre ça peut être très intéressant en furtivité. Moi je l'ai à 100% et en plus je crois que tu débloques un trophée quand tu l'as à 100%. Donc on va peut-être avoir un petit trophée, attention. Schling sur la gauche normalement. Ah voilà, spécialiste. Yes. Bon, vous avez un truc noir qui est apparu, moi j'ai le trophée. Parce que ça s'affiche pas. Sbim. Allez, on descend. On va aller se friter. Mais le multi, ça va promettre. Hein. Ça va promettre. Bon, ça c'est bien. Voilà, au moins je peux. J'ai mes deux étuis, tu vois, tranquille. Je peux. Je me sens mieux là déjà, tu vois. Dans. Donc ça, c'est ça, ça c'est un truc que je gère pas. Je ne gère pas. De changer d'arme comme ça avec R1. Cellule de Kreese. Devrait pouvoir passer. Toi, on n'avait pas beaucoup d'escarres, mais ils ont bien fait flipper ces enfoirés. Avec leur sifflement là. Puis c'est pas fini hein. Pitié, je vous en prie. Oh, fais chier. Isaac prépare quelque chose. Je vais tout vous dire. Mais. Le péché est en eux. Ils se cachent. Je vais rien faire. Libérez-les. Oh merde. Ah,
peut-être pas rester là. Il est libre à présent. Ah. Chercher des vagabonds. Puisse-t-elle nous quitter? Ah, vous êtes perchés, les gars. Qui me voit? Qui me voit? Tu es au courant pour Lily? Oh, c'est vraiment honteux. Mais ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais ça me surprend de la part de sa sœur. Je plains leur mère. Elle aurait dû sentir qu'il y avait un truc bizarre. Lily, c'est pas la sœur de Dina, au moins, non? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Pierre, vous pouvez me laisser tranquille, non? Il y en a là. John, on nous attaque. Ça venait peut-être de là, derrière. Et non, ça venait de là-bas. On inspecte. Une vagabonde. Tuez la. Je fais naps. Je suis bloqué. Ah, secours. Ça, c'est ce qu'on avait vu, ce qu'on nous avait présenté dans le gameplay. Va-t-il le faire? Va-t-il faire de la merde? Il fait de la merde, monsieur. Moi ma flèche, putain. Quoi? C'est pas vrai. Après gros, j'ai plus de flèche. Hein. Ah, la furtivité, dis donc. Je suis tellement quelqu'un de furtif, moi. Je sais pas être furtif. Bon, pour maintenant, autant tous les buter, quoi. Casse-toi, bâtard. Je vais déboîter la tête. What the fuck, man? Wow. Putain. Je lui ai déboîté la tête. Okay.
Ouais. Pas tout seul lui hein. J'ai plus rien, j'ai plus de munitions. Panique à bord. En vrai, j'aurais voulu ramasser des trucs, tu vois, mais... Non. Parce que je suis pas discret, tu vois. Tu peux chercher, je suis pas en dessous de la voiture. Pas encore. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va changer, on va mettre l'arc là. Non, l'arc, on va le mettre là. Le flingue là. Le gros flingue, le gros fusil que. Ah, vas-y, Elina. Ah, elle voulait pas grimper. Mieux que moi. Ok. Ok. Bon, on va peut-être fouiller un petit peu les cadavres. Il restait plus que deux coups. Ouais, la furtivité, moi, ça fait 12 à peu près hein, dans n'importe quel jeu. Hein, j'arriverai jamais à être furtif dans un jeu, c'est incroyable. C'est vrai en plus. J'arrive pas à être furtif. J'arrive pas. Bon après, comme j'ai dit, c'est la première run, on aura l'occasion de refaire le jeu et d'être meilleur tout simplement. Un silencieux, ouais, je veux bien. J'y pense, ouais, dans la panique, j'ai jeté un molotov sur le mec. Je vais y aller, vas-y. Oh putain, ça recommence. Fais chier, en voilà d'autres. D'où est-ce qu'ils sortent comme ça? Y'a plus de bruit. Je l'ai pas touché? Pourquoi je l'ai pas touché là? C'est quoi ces conneries? Aucun signe. Je vois rien du tout. Beaucoup de wolves sont tombés aujourd'hui. C'est vrai, mais... 50 pour eux. Non. Bah Roger il est mort. Je sais pas si elle a dit Roger, mais Roger t'es mort. Je crois que c'est fini. Roger! Je hais cette ville. Bon, il est où ce putain d'hôpital? Ah, et ben. Mais par contre, ma flèche. Moi, je sais qu'elle a retombé, hein, mais il me semblait que j'étais dessus, quoi. C'est quoi? Oh, machette, je dis oui. Par contre, le marteau, ça fait mal. Hein. Ah, le marteau, la masse. Le marteau masse. Ah, c'était ça dans le trailer. Ah oui, bah peut-être on va tomber sur le gros là. Le mec chauve hyper malsain qui fait peur. Non, on va garder la machette. J'ai bien aimé le molotov là parce que je l'ai jeté et ils étaient en train de, tu vois, de se frotter la manche, tu vois, ils étaient pas forcément morts, ils se font toucher mais ça fait vraiment stylé, ça fait vraiment stylé. On arrive devant le magasin, merci. Vous reconnaissez ?
Mais bien sûr. Alors du coup, ça fait pas comme dans le trailer. J'avais cru entendre marcher, ok, tout va bien. Ah putain, j'ai plus de flèche, j'ai plus rien, je crois aussi. Moi, c'est quoi ? Une flèche ? Ouais. Là, normalement le mec là, le chauve, il arrive de la gauche dans le trailer. Il arrivait de là-bas, mais nous on vient de là-bas et on fait ça. Voilà, c'est pas le même truc encore. Okay. Ah bah. Ah bah. Salut, c'est Théodore. Allez vous faire foutre aussi là. Putain. Mais. Ah mais... J'arrive pas à me barrer. Putain, mais il est complètement malade. J'arrive pas à enlever la flèche. Ah mais j'arrive pas à enlever la flèche en même temps. Ça brûle. Faut pas qu'elle s'échappe. Ok. Allez, viens, 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 viens. Alors? C'est moi le malin, hein? Ah, bon, j'ai carrément galéré, mais bon. Ah, mais un molotov, voilà, y'a que ça de vrai, les gars. J'ai envie de vous dire. C'est le même endroit. Bon, bah, c'est pas grave, allez. Et voilà ce putain d'hôpital. Alors, vous l'avez retrouvé ? Merde. Quand on avait le dos tourné. On ratisse toute la zone, au cas où elle sera encore dans le coin. Vous inquiétez, Furax. Sans déconner. Ok. Attends, je vois rien. En vrai, je vois rien. C'est en face qu'il faut que j'aille là. Ok. Ok, donc on y arrive, ok. Ça on connaît les poteaux, ça on connaît. Alors, est-ce qu'on va mieux jouer que le mec qui faisait la démo? Je crois pas. Hein. C'est clair, les mains en l'air. Doucement, doucement. Tu la connais, Nora? Oui, je la connais. Où elle est? Elle vit dans l'hôpital. Où ça, dans l'hôpital? Il vide les étages supérieurs, elle doit être là-bas. Putain. Je peux te prendre ta PS Vita?
D'ailleurs, est-ce qu'on peut bien voir ce que c'est ou pas? Donc c'est bien une PS Vita, tout restart, je pourrai plus jouer, et que c'est bien Hotline Miami et machin, Miami je sais plus quoi là. En même temps, fallait pas faire ta maline. Ok, bon, on y va. Là, j'ai combien de balles? 5. On va refaire des flèches. Tralalalala. Tu veux un conseil? Sors avec un soldat. Il y a rien de mieux pour se faciliter la vie. Ouais, je tâcherai de m'en souvenir. Putain, on dirait que les Scars se rapprochent. J'espère que nos gars sont en train de buter ces cinglés. Hey, tu sais pourquoi on nous envoie tous à la base avancée? J'ai entendu dire qu'Isaac voulait qu'on reprenne le contrôle du centre-ville. Ce qu'on raconte, on va peut-être les attaquer. Impossible. Bah, après ce qui s'est passé la dernière fois. Isaac est pas fou à ce point. C'est ce qui se dit en tout cas. Merde. Quel con. J'ai réussi à louper ça quoi. Nous on fait comme dans la démo. C'est Derek ! On l'a tué ! Y'a quelqu'un ici ! On se déploie ! Il faut insister tout à l'heure. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu meurs pas avec des grosses balles comme ça là? J'y arrive pas. Avec la visée et tout, j'y arrive pas. Non, vraiment, je suis pas bon. M'améliore, ça m'énerve d'être mauvais comme ça. Je vous jure que ça m'énerve d'être mauvais comme ça.
pas y aller là. Qui est décédé. Y'a rien là, on sait jamais. Hein. Ah là là, qu'est-ce que je suis mauvais. Je m'en veux terriblement. On va faire un silencieux. Je pense que ça va être la merde pour aller jusque Nora là. Alors, dispensable, un jet désinfectant, machin. Ouais, c'est possible, petite injection. Ok, deuxième étage, il y a de l'équipement. Ok. Puis après on va s'arrêter là. Quand est-ce qu'Abby était ici? Je suis pas stupide. Tu vas nous dire où elle est partie. Quand Isaac nous posera des questions, je lui dirai ce qui s'est passé d'après moi. Je commence à en avoir marre. Nora. Je refuse de payer le prix fort à cause d'elle. Attends, on arrive. Par contre là, je me demande comment on fait quand on descend pour pas se faire griller par ceux qui sont juste derrière là. Rien que dans le trailer, je me demandais comment c'était possible. Donc bon, on va en avoir le cœur net hein. Est-ce qu'il nous voit ou pas? Parce que normalement on est archi grillé. On est d'accord qu'on est archi grillé. On est d'accord que normalement c'est la fin pour Nora là. Je sais pas si je vais pas buter les mecs avant d'aller la voir. Bon allez, on va en avoir le cœur net. Et après on s'arrêtera là. Crie pas. Pose tout ça. Tu me reconnais ? Qu'est-ce que tu veux? Abby est venue ici. Où elle est maintenant? J'en sais rien. Si tu tires, le bruit va rameuter tous nos soldats. Ouais, mais tu seras morte. Dis-moi où elle est, et peut-être que je te laisserai partir. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Mais vous auriez jamais dû foutre les pieds à Jackson. Où est Abby? Tu les entends encore, ces cris? Quoi?
Je les entends toutes les nuits. Te laisse pas avoir, Ellie. Ouais. Ouais, ce fils de pute a eu ce qu'il méritait. Espèce de sale. Allez, une intruse. Allez, quelqu'un. Ta sale pute. Sale pute. Sale pute, sale pute, sale pute. J'y vais. Ah, pardon, fallait faire une course poursuite, pardon. Moi j'étais en mode. Ok. Pardon, excusez-moi. Allez, quelqu'un! Par ici! Nora! Tu t'en sortiras pas comme ça! Ok, bah passe! Le petit bug qui fait plaisir! Ah, elle va fermer forcément, à droite, à droite, à droite. Y'a la connasse! Non, non, non! Allez! Faut que je la chope, faut que je la chope! On se barre. Ça va être juste, non? Ouais, ça passe. T'as les claqueurs qui nous suivent là. Alors, on meurt d'espoir, hein? Salut, Nora. Oh non. Oh non. Ah, ça sent le coup de barre de fer dans la tête. Les lucioles n'existent plus maintenant. Ah.
Abby, hein? Je vais mourir de toute façon, pourquoi je te le dirai? Parce que je peux t'achever. Ou te faire souffrir encore plus. Pense un peu à ce qu'il a fait. Combien de gens sont morts à cause de lui? Dernière chance. Je trahirai pas mon ami. Comme ça que ça devait se passer. Bah ouais. C'est moi. Tu vas bien? Putain, c'est ton sang, ça? Elle s'est planquée dans un aquarium. D'accord. Viens, on va nettoyer tes plaies. Les bras. Putain, c'est bien fait le maillot quand il s'enlève là. Je l'ai fait parler. Hé. Ça va aller. Je veux pas te perdre. Tant mieux. Oh.
C'est plutôt familier. Bon bah écoutez, nous on va s'arrêter ici. On reprendra très très vite. Bon, je galère toujours autant au niveau des combats, mais voilà, on avance quand même petit à petit. C'est cool, on avance, c'est le principal. Cet épisode a dû être assez long, je pense, à moins que je vous ai fait des cuts, des moments où je galère vraiment. Mais ceci dit, encore une très très bonne phase dans The Last of Us 2. Pour l'instant, c'est vraiment que du kiff. Hein. Je vais vraiment avoir du mal à décrocher de ce jeu. Punaise. Quelle merveille ce jeu. Bref, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, tout simplement. Et voilà, à bientôt. Allez, ciao. Peace.